bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'émission Clipouzot. Oui, l'émission Clipouzot sur Canal Austral, une émission où nous ça clip un petit peu pouzot, comme il dirait quelques-uns chez nous, comme ça clip un petit peu pouzot. Oui, Nice téléphone, il sonne de l'autre côté là-bas, mais il n'est pas grave parce que ici sur Canal Austral, à chaque fois nous ça fait une émission, nous dit surtout il faut éteindre le téléphone, mais Nice, il a ce téléphone ouvert, mais il n'est pas grave, comment dirait un bon malgache, Timanning, parce que la personne qui est avec moi aujourd'hui, elle cause un petit peu malgache aussi. Je te connais bien parce que tout le temps, il vient sur Canal Austral ici. Tout le temps, il vient faire la cuisine avec nous. Il est un petit peu comme on dirait le chouchou de Canal Austral. On a le plaisir d'avoir avec nous Calix. Tu connais bien Calix. Allez, Calix, comment il est? Bonjour Jean-Claude. Il est là. Calix, il faut mettre le micro. Tu es plus près la bouche comme oui, ça. Comment il dit Jean-Claude. Jean-Claude. Z. Avec un Z. Ça nous fait un petit coup à Sandria parce que c'est Sandria qui est pas la moins Jean-Claude comme ça. Mais là, c'est un petit plaisir, surtout Bassin Labo ici, nous dans la nature. Et nous ça présente un petit peu les chansons pour Clipouzot. Des morceaux qu'on aime. Maman a des trois petits morceaux qu'on aime. Là, on a un petit groupe, un petit peu en vogue en ce moment. Ah bon? Je vais mettre un autre un petit peu à l'honneur. Et PLL. Appelle ça et DJ. Ah, en featuring avec DJ Seb. Voilà. Ouais. Ça. Ouais, ouais. Et banane et morceau. Vous connaissez la réunion, beaucoup de monde fait l'intéressant. Miwa le morceau, vous mettez là. Miwa. Et le titre, le morceau même, c'est l'intéressant. L'intéressant. Ben. Et ça, c'est un petit morceau, la marque à où? Parce que ça, l'était tourné pas trop loin de chez vous, ça, non? Ben, là, quand il dit moi la rivière Saint-Louis, mais sûrement, est-ce que c'est des personnes de la rivière venues d'ailleurs? Parce qu'il y a tellement de monde qui aime la rivière Saint-Louis. Moi-même, ma soeur, c'est Tizane, pas la rivière Saint-Louis. Comme quoi, peut-être que la rivière Saint-Louis, là-bas, a des bonnes affaires. Les gars, là-bas, l'air est le plus respirable ou quoi? Ah ben, il faut croire. Voilà. Donc, le groupe là, il fait notre clips. Et dans le clips, il y en a deux, trois. Comment on appelle ça? Pas graffiti. Bonne graffiti même. Et s'il va dire l'autre côté là-bas, oui. Les mixages, il dit à nous des ouzou quoi? Gouzou. Des voilà. Gouzou, oui. Des gouzou, mais il voit un petit peu sur les stades. J'ai des murs de Saint-Louis, mais il n'arrive pas à situer ouais. Exactement. Et c'est bien ce genre de clip-là, parce qu'ils mettent en l'air aussi cette culture urbaine que Nénard chez nous, c'est-à-dire les graffitis. Alors, graffiti. Les gens, des fois, disaient voilà. Comme là, ben, graffiti, ils salissent les murs, les pas très bons. Mais là, nous l'a essayé avec. On a beaucoup de communes aussi, là, jouent le jeu, en disant que, oui, coq, les bons chantent, les pas quoi, ils voulaient à la mêlée, ils devaient chanter. Laissez-les chanter. Les bons. Et quand ils passent dans le marmite aussi, ils sont à son air. Là, pourquoi son air, là hein? Et ben bonne graffiti comme ça là, elle est un petit peu remis au goût du jour maintenant. Elle a fait ça un peu de façon stylisée et de façon culturelle, c'est-à-dire que maintenant les graffitis c'est plus que des traits, des inscriptions, disons, je sais pas moi, longtemps t'écris une affaire comme prends pas ça ma maille comme argent comptant, t'écris oreilles d'heure ou bien créole par ici, créole par là-bas, machin. C'est plus ça maintenant les graffitis. Les graffitis est devenu culturel, est devenu un art à part entière. Tout à fait. Avec des dessins qui sont bien faits, les faits par des personnes qui maîtrisent le graphique bien. Et c'est pour ça que dans ce clip-là, nous on a ça. Oui, et c'est ça aussi l'attire un petit peu d'attention peut-être. Oui, l'attire mon attention parce que quand il parle de la rivière Saint-Louis, moi je suis tout de suite attiré, connaître un peu l'histoire. Parce que dans l'histoire, avant le graffiti, Banal avait un système quand un lycée était payé un artiste peintre, lui vient lui faire une décoration ou lui fait une peinture, mais où si on regarde comme ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et je m'en pose la question, le chef travaux, mais d'aller. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ça dans le couloir en sortant des ateliers d'un lycée professionnel? Alors, on veut des. Nous appelons pas ça des graffitis, à l'époque, on appelle ça des peintures. Et les peintures, tu veux dire la sortie des élèves. Ah, dans d'accord. Dans le sens, le pinceau était. Avec les peintures, était fait. Donc, le graffiti aujourd'hui, c'est. Des gens ils expriment à Zot. Je suis un tableau. Ouais. Pour moi, un mur, c'est un tableau. Mmh. Exprime à Zot. C'est ce gars qui n'est pas dit vraiment. Tout haut. Tout haut.
d'autres disent tout bas, d'autres mettent sur le mur. Et ça, il appelle banal des graffeurs. Voilà. Si Vajil avec un micro, il cause avec nous, mais autres, tu n'entends pas, mais dit nous, on entend Ali. Il appelle ça des graffeurs. Des graffeurs. Et ça, dans ce clip-là, parce que PLL et DJ Seb, c'est un clip de jeunes. C'est pour ça que ce morceau là intéressant. Là, il fonctionne bien. Marc, il fait Bouzao, il sensibilise. Ah ouais. Parce qu'il est intéressant. Envoyez une garde. Nous envoyez tout de suite alors. Envoyez. Bon, ben nous envoyons ça tout de suite avec l'autorisation bien entendu de PLL que Mala appelle Ali m'a dit comme ça. Un autre clip est sorti mais il n'est pas chez nous encore. Nous, il est possible que nous passe autre clip sur Canal Austral. Le Mamaï tout de suite l'envoie moi un petit message. Okay. A dit Monsieur Coindin, on a mon autorisation. Ben voilà. Disait Gigi Seb avec PLL et le morceau il appelle l'intéressant. Pas qu'on fait rien, dis-moi, fait l'intéressant. Au moins, si m'écris mon son, franchement, ça l'est vexant. Si on n'a pas rien pour dire, à l'église dans la descente. Les vrais, les petits gars, les bons, même s'il fait l'intéressant. Ouais, dis où y'aime. Quand le petit gars là, il débarque en graine, dis où y'aime. Quand si moi, crie pas moi, le son de la veine. A beaucoup valide ça quand le nappel est en graine. Allez, l'y fait un plus li. Aïe, aïe, aïe. L'y prend pas l'y pour la merde li. Ça santé. Zoti veille mon snap, mon insta, comme si mi. T'es insta, ben assise pour garder mi fait. L'intéressant, Zoti Jimmy fait l'intéressant. L'intéressant, Zoti Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant, allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Ami donne pour causer. Allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Li aime ça, li aime ça. Comme il fait l'intéressant, Ali s'y donne ta. Allez look ça, comment m'y frotte ça. Li comprend mes pissons, quand Ali prend ma bouesta. Mi roule dans le tout moment, et alors. C'est le gars, il compte pas le loto. Ma faute disque, elle a fait son mou. Miss Marala ou dans tes noirs sans moi. Ali il fait en plus li. Li prend pas li pour la mienne li. Zati veille mon snap, mon insta. Comme si mi t'es insta, B6 pour garder mi fait. L'intéressant, Zoti Jimmy fait l'intéressant. L'intéressant, Zoti Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant, allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Ami donne pour causer. Allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Saut là, os, ou la tombe de haut, l'os. Michael, cos, comme un femme enceinte là au poste. Mi roule pas en Panamera. Kuchingi luka mwe dans la caméra. Wine la tsi macarena. Mi fait casa zot même en sabatarena. Now Ali li fait en plis li. Li prend pas li pour la miel li. Zoti veille mon snap, mon insta. Comme si mi t'es insta be assise pour garder mi fait. L'intéressant, Zoti Jimmy fait l'intéressant. Zoti Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant, allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Ami donne pour causer. Allez coup derrière. En attendant, coup derrière. Ben nous revoilà, nous les là encore après ce morceau de PLL et DJ Seb, l'intéressant morceau qui fonctionne bien actuellement. Toute bonne jeune Mamaï aujourd'hui, il connaît ce morceau là. C'est un morceau où des fois nous a l'impression que c'est peut-être pas le texte qui attire le bon Mamaï, mais c'est aussi la musique à l'arrière, la musique comment il est d'ailleurs. Tout à fait. Et puis on a d'autres personnes qui font des morceaux un petit peu plus glamour. Moi je connais quelqu'un qui est très glamour. C'est une dame qui habite du côté de Saint-Paul, à mon avis, en tout cas dans l'Ouest, ça c'est sûr. Il s'appelle Sophie Ligdamis.
Sophie Ligdamis, oui. Ouais. Ma fine vieille. Et Sophie Ligdamis fait partie d'une grande famille d'artistes, de chanteurs depuis longtemps. On fait un petit coucou aussi à son mari qui regarde à nous. Et puis après, sa fille, son gendre, ses enfants, enfin toute la famille, parce que Bana, c'est une grande famille. Et Elina, elle rêve. C'est quoi son rêve? Ben, je sais pas trop son rêve, mais en tout cas, il doit rêver d'une vie meilleure. Il rêve de l'amour, il rêve de beaucoup de choses. Le clip est super bien fait. Hein, super bien fait avec des belles couleurs. Avec lui-même, Sophie, c'est du genre où il passe pas sur l'écran s'il n'est pas bien maquillé, arrangé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque aussi vraiment à l'écran comme elle a. Hein. C'est-à-dire que des fois, les gens l'aient un petit peu comme moi, par exemple, hein, m'y jette à moi la pierre moi-même. Mais pose la question. Et avant qu'on passe à l'écran. T'es maquillé. Longtemps t'es maquillé. Mais longtemps m'avait de monde pour maquiller à moi. Comme elle a ma rapide monde pour maquiller à moi. Plus besoin. Okay. Plus besoin. Naturel aussi. Ouais, ouais, ouais. Fin prend un peu large, un peu de ride, un peu machin. Naturel. Naturel. Hein, comme ça, il dit. Hein. Parce que Calix, vous connaissez, Nena, chacun sa personnalité. Oui. Hein, à moi, mais du genre, mais pas avec ça. Si je vivais avec un, ça va des doigts dans mon pied. Hein, pas maquillé, avec mon cheveu un peu blanc, parce qu'il me prend un petit peu de large actuellement. Ah, aussi, parce qu'on le mettait casquette. Pas pour que j'aie un petit peu de cheveux blancs, ça. Non, m'a pissouvé. Non, elle n'est pas vrai. Là, il y a peut-être une casquette, elle te voit comme ça parce qu'il y a pourquoi coiffer. Et c'est sa fille qui coiffe, Ali. Hein. Un petit coucou à Mathilde aussi qui regarde nous. Sûrement, sa fille là-bas qui coiffe Calix. Hein. Là, il mettait casquette là. Comment là, un artiste, mais une casquette. C'est une casquette d'artiste. C'est une casquette d'artiste. Après, football, c'est notre casquette. Ah, d'accord. Ou les pareils, quelques politiciens, là, ou change de casquette. Hein. Voilà, on a un peu change de veste, mais ou change de casquette. Oui, en fait, nous l'étions avec Sophie Ligdamis, quelqu'un que nous aimons bien, un artiste d'ici, qui fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être bien présentable et tout ça. Et c'est ces genres de personnes-là que nous aimons bien, parce que ces genres de personnes-là, qui fait aussi la télé, parce que dans un clip, il faut qu'on les bien présente. Tout à fait. Hein. Et elle, oui, déjà avec ses morceaux, et puis avec le choix des personnes qui fabriquent ces clips aussi, parce que l'important d'avoir des personnes qui fabriquent les clips, que les à la hauteur aussi. Hein. Et bien, Sophie Ligdamis, il a un rêve, et peut-être son rêve, c'est que tout y réussisse dans sa vie, l'amour et tout ça. Nous regardons ça tout de suite. Allez, nous ça va ça tout de suite, hein, Sophie Ligdamis. Et après, nous revient. Les bons. Nous reste là, où ça va pas, là, hein. Même si le soleil commence à baisser un petit peu derrière la montagne là-bas, nous reste là même. Pas loin, l'air pour rentrer, la route littorale, il passe la mer comme là. Ah, les bons, alors, pas encore. On anticipe un petit peu, Calix. Hein. Peut-être on a un rêve. Non, mais un rêve comme la chanson. Ou rêve un petit peu, peut-être, comme Sophie Ligdamis. Allez, nous regarde ça tout de suite. Donne-moi ma chance, nous deux.
Eh ben, nous revoilà. Ça, c'est un mot que j'aime bien dire, ça. Parce qu'à chaque fois qu'un clip est passé, qu'on a un live est passé, à chaque fois que la caméra il revient six mois, me dit tout le temps, eh ben, nous revoilà. Ben oui, ben nous revoilà, nous l'est toujours là. Nena, un dicton ici, chez nous, sur Canal Austral, il dit que Canal Austral, c'est la télé qui vous regarde. Oui, Calix, Canal Austral, c'est la télé qui nous regarde, qui vous regarde. La coupe est un ali, il y allume tout le temps. À chaque fois, il allume, il est là, il regarde. Oui. Quand les packs à moins regardent les autres. C'est peut-être Calix garde les autres. Des fois, c'est François, des fois, c'est Coco, des fois, c'est Julie, des fois, c'est Marie, des fois, c'est Yavé, des fois, c'est Bernard. On a toujours un monde qui regarde les autres dans la télé là-bas. Hein? Oui, les gars, non oui. Un télé qui ferme jamais, 24 heures sur 24. Ouais. Et ce n'est pas des programmes de nuit que nous avons. Hein? C'est-à-dire jamais c'est en panne, jamais en panne cette télé-là. Quand on est un petit peu en panne, nous crie un petit peu si bonne de monde l'a fait la veille le soir, l'a dormi. Vous connaissez comment il est. Hein? On peut mettre une équipe le soir pour faire la veille le soir, mais il dort un petit peu. Donc du coup, après, bon, quand ils sont tête, vous dites comme ça, écoute, je voulais la veille un petit peu, t'es là. Hein. Voilà. Sinon, à moins, fait la veille. Hein. Ah, ou Philippe fait la veille le soir. Oui. Hein. Alors, de temps en temps, quand on a des petites pannes, ben, on ne veut pas nous trop. Hein. Oui, de toute façon, on a un petit message qui écrit que nos émissions reprennent dans quelques instants. D'accord. Et les quelques instants, généralement, ils ne durent pas longtemps. Et après, nous, on a des satellites, nous, on a des gens qui appellent à nous en disant comme ça, hey, « Hé, Jean-Claude, votre télé là en panne hein? !» Ben, nous connaît tout de suite que Bandomoun l'a fait la veille le soir, soi-disant au studio pour veiller, l'a dormi. Voilà. Alors, Calix, qui ça nous est là après là? Mais là, normalement, je pense que nous, ça fait pas un petit coup Emmanuel Ivara. Emmanuel Ivara. Emmanuel Ivara. Et Emmanuel, c'est quelqu'un que les. Il est plein de vie, lui. Oui. Il est plein de vie parce que. En fait, maintenant, il y a deux. Si Oka nous explique à Zot un petit peu la famille Ivara, bien sûr, on a Chantal, que Zot tu connais bien, Chantal Ivara. Et puis après, on a Dany, que Zot tu connais un petit peu moins, puisque Dany ne passe forcément à l'avant de l'écran. Mais Dany, c'est le mari de Chantal et c'est lui qui organise tous les concerts de la flamme. La flamme Sega, la flamme de fée, la flamme océan, ouais. Tout ça, la fin a la flamme dedans, lui. Hein. Et Dany, c'est quelqu'un qui joue un petit peu de percussion aussi dans tous les morceaux. C'est un mamaï que les. Comment on va dire ça? Il est du genre organisateur, lui plutôt. Il ne voit pas les trop à l'avant. Donc, nous voit bien entendu sa femme Chantal depuis des années. Tout le monde connaît Chantal Ivar. Et puis, les gens l'ont connu, les sœurs jumelles. Émilie. Oui. Et Emmanuel. Emmanuel et Émilie. Émilie, la sortie des morceaux qui a bien marché, c'est. Comment ça s'appelle ça un paquet de morceaux qui a bien marché là, dernièrement. Oui. Il y a un trou, moi, là, mais. Ils mettent ballot dehors. Non, pas Lisa. Ali, c'est un autre encore. Ça, en tout cas, bref, on a retrouvé dans un instant. Par contre, Emmanuel, que nous savons dans un petit instant, Emmanuel, il fait nous le plaisir en plusieurs fois de chanter des chansons de Chantal Ivara, des chansons de sa maman. Et ça, oui, fait plaisir à nous. J'entends sa maman. Mm-hmm. Mais l'histoire, là, je vais à écouter la chanson parce que je n'ai pas bien compris. Dans le fond canal, dans le fond la rivière. Alors, m'explique, dans le chanson de Chantal Ivara, chanté par Emmanuel Ivara, un clip tourné chez nous ici même, un petit peu en dessin animé. Hein. C'est François Auré qui avait fait le clip chez nous ici lors d'une émission de cuisine un soir. C'est un petit live hein, directement avec pas mal d'artistes et ensuite avec David Luizin aussi qui était là aussi ce soir-là. Et donc, Emmanuel a chanté un morceau de Chantal Ivara. Le titre de la chanson, je ne connais plus trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je connaît dedans, il dit comme ça que nous dès la disputée, voilà, ou de maîtresse sous le parti rodé, les nains une histoire de maîtresse, et dans le fond canal où l'a tombé. Voilà, c'est ça, mais viens écoute la chanson pour moi bien connaître. Nous écoute la chanson alors, écoute rien, et après nous va discuter après. Voilà, bon, voilà, ok. Ok, alors, allez, elle est partie tout de suite. Alors, allez, la jalousie, les dieux, bon bête, mon y connaît. Oui, c'est maîtrisé, sinon ton vie sera cachée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es emporté? Tu gay puis si porté quand tu sens à toi couillonné. Tu n'es à ton fierté, même si après t'as regretté. La jalousie, les durs, bon pète, mon y connaît. Sera caché, mais qu'au seuil faut.
les supporter quand ils sont à toi couillonnés. Tu es né à ton fierté, même si après t'as regretté. Mais pour les histoires tontines, mon mari l'a changé. Pour les histoires maîtresses, mon ville est en détresse. Téléphone l'avait sonné et nous l'a disputé. T'es trop en colère, l'autre il a parti retrouver. Quand il a retourné dans la ravine, il a tombé. Si souvenir magnan, pensez mon moment, sans taille marin. Thank you.
ben oui, nous les toujours là dans cette émission clip vous autres ce soir, même ici, même Bassin Labou, où n'a que debout de que son nom, Calix. On trouve Labou ici, vous? Non, Labou, quand on a la pris partout dans Labou. Oui. Mais là, après la mettre Bassin Labou, parce qu'à l'époque, ben là, tes gars, tu tiens pas de l'eau en bas, tu fais Labou. Ouais. Comme là, il tient la pile Labou. Il tire la pile à boue. La pile à boue. La pile à boue. La pile à boue comme là. Hein, voilà. Et la boue, là, hein, quand on parle de boue, là, hein, c'est un grand mot, ça, parce que vous connaissez la boue un petit peu partout. La boue, c'est toujours ce qu'on appelle en bon français un résidu. Vous connaissez ma patie, apprenez oui. Avant de oui. Cause. Là, ma patie. Ma patie roulée. Vous voulez un zénir, pourquoi vous? Mais un zénir. Vous connaissez quelque chose que nous aimons bien, où on a une boue, mais qui appelle ça un résidu, c'est dans le vin. Vous connaissez quand vous mettez du vin au tonneau pour faire vieillir le vin là, et ben, toute la partie qui reste au fond là, ils appellent ça aussi le mou ou la boue. Le mou ou la boue. Voilà. Mais Jean-Claude, là où là, tu sais si une affaire où ils aiment bien, non? On parle le vin. Il paraît que le vin est culturel. Mais à chaque fois, nous parle le vin dans la télé. Il faut que nous dise que le vin est à consommer avec modération, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est normal. Hein? Oui, oui, mais quand il dit avec modération, il n'empêche pas de boire un verre, parce que le vin, c'est une culture. Une culture française qui est arrivée jusqu'à nous ici à La Réunion. Toutes les tables. Toutes les tables. À toutes les tables, où trouve une bouteille de vin. Donc, tant qu'à faire, au lieu de boire du vin un peu comme ça, comme rien que pour avoir le côté. Non, quoi, si va dire, non, si va dire, quand moi, l'autre côté là-bas, il y a le côté alcoolique à l'intérieur. Parce que dans le vin, on a de l'alcool. Oui. Donc, rien que pour ne pas prendre que l'alcool, mais prendre aussi le goût du vin. Il faut avoir une connaissance du vin. Bien il sûr. Faut connaître le vin. Et ça, là, oui, hein, tout à fait. Ça tout qu'on tout connaît fait. Le vin ou apprécier les mieux. Mais Jean-Claude, d'accord, allez dire ça partout. Fais un petit coucou à Olivier Kadabakas et puis après ça passe Jean-Michel Kadabakas du vin allez dire partout et nous répète bien entendu. Et il nous attend, je parle français parce qu'il habite en France. Ah ouais. Il nous attend pour une prochaine vendange. Ouais, nous allons faire des vendanges puis à tout notre décanix et on va voir dans une prochaine émission voisinage. Cachon là-bas. Voilà, 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 voilà. Et bon, oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Nous revient sur un artiste que Ouy aime bien. Hey, Daddy Love, c'est mon idole, Madagascar. Et pour moi, là, c'est son époque. Là. Mais l'une des dernières chansons qu'il avait fait, le titre Nico Lepi. Mais nous allons roder un instant. Mais où déjà vient un morceau de Daddy Love, il n'est pas bon. Ah, t'es bêché, je moi, ça m'est content. Il ne peut pas, il n'existe pas. Et déjà, Daddy Love, que ça veut dire en français? L'amour. Hein? L'amour. Mais ça même. Hein, Daddy. C'est un petit peu, c'est un grand papa, un grand frère ou un truc comme ça. C'est un gars modeste, humble, simple. C'est ça, Miadoc et Malgache, comme voilà. Daddy Love. Et pour l'anecdote, nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs fois Daddy Love chez nous en studio. C'est un mamaï simple, c'est un mamaï tranquille. C'est un mamaï, on n'a que sa voix qui parle. Hein? Sa voix. Alors, des fois, on ne connaît pas trop comment ça les dit, parce qu'il parle en malgache, il chante en malgache. Hein? Mais c'est dans vraiment dans la sonorité, dans ce que il chante. Il fait lève à ouf frisson. Parce que le reflet qu'il lui donne, les images qu'il lui donne pour Madagascar, si tous les gens de Madagascar, d'en haut en bas, avaient ce reflet-là, ils pensent que Madagascar aurait été un pays meilleur. Peut-être que pas beaucoup de choses. Il ne fait pas la politique. Hein? Peut-être que lui lutte un petit peu pour tout ça aussi. Qui sait, il connaît. Possible, qui sait, il possible, connaît. Possible, possible, hein? Possible. D'accord. Mais nous écoutons ça tout de suite alors. Envoyez. Allez, ben, il est parti. Dizem te vi tancar Lato que eu tenho a tia em mararizão Marareno Lino anda louva te cativar De urte de nerequeia Minha ramitale, minha ramina Minha mina Isso está como ela não é Vê, isso está como ela não é O arabate Isso está como ela não é
chance ya rekea Fadiari kwa ita shirune ni roma za vakara hasose Tambi tambi onza inze Chafuiza kono utekoya Samba teza umanano Dawar Ben voilà, nous l'est en cola, et pendant que le morceau est en train de tourner, là, s'il va juste en cause avec moi, avec un micro que moi m'y entends bien et que les autres n'entendent pas, et dis-moi comme ça, mais qui vient après? Quelle chanson de ça fait après? Il me dit, inquiète pas, oh, là, pas de problème. Il me dit, Timanine. Et Timanine, il connaît pas ce que ça veut dire. Ben, Jean-Claude, Timanine, on veut dire, il fait rien. Il fait rien, parce pas grave, si ne comprend pas. Plaisant. Quand tu sais l'école, là, on fait des études, tu sais pas combien de temps. Lendemain, on va en classe, on reçoit le son par cœur. Ben. Quand on dit Timanine, il ne fait rien, on connaît le son. Ah, il fait rien, on connaît. Qui ça l'artiste, vous voulez mettre alors, un petit peu en évidence un artiste, que c'est un grand talent à moi, hein, c'est un grand talent à moi, et il a marqué la Réunion par sa bonne chanson, il a marqué à la Réunion, si Midia ou Femme commande pas le zombie. Gabi Lakin, mais est-ce que les vrais de nos jours, Femme commande pas le zombie? Non, ça c'est une époque, et la sortie d'une chanson, la sève de mille femmes, la sortie d'une chanson là, Femme commande pas les hommes. Moi, je lui ai dit, quel bonhomme commande femme là? Ah, la fine, les histoires hey, comme ça. L'égalité. 50-50, comme il dit. Voilà. Et Gabi Lakin, c'est un monsieur qui passe quand même 25 ans en France. Il est revenu à La Réunion et il a eu la même popularité à La Réunion que quand il y avait, quand il était en France ici, par les Réunionnais. Il est quand même bien, hein, c'est-à-dire que quand il était là-bas, il était chante, mais La Réunion, tu connais lieu quand même. Non, c'est-à-dire, il était là en France, il chante, mais toutes ses chansons sont sur La Réunion même. Voilà.
Toute bonne chanson, ici, La Réunion. Je pense La Réunion, même. Ouais. Ben, elle est bon, ok. Écoute, nous perdons pas trop le temps, hein, parce que le temps y avance. Nous passons tout de suite le morceau de Gaby Lagune, puis on revient après. Il est bon ? Envoyez. Allez, et le morceau, son dernier clip, il appelle Belle-mère. Nous, on réunit sur Belle-mère après. Eh, mais tout le temps, Belle-mère, femme. Ah, ben ça, c'est Gaby, ça, vous connaissez. Ah, ça, c'est Gaby. Ben, coucou, Gaby. Allez, ben, elle est partie, alors. Allez. Ben, Calix, nous revoilà, nous là encore là. Ben, Jean-Claude, hein. Ma TV prend un peu de nouvelles, maman, il a moins.
Qui ça? Chanteur là, Gérard Rongé, Racine des Îles. Oui, ça m'a marqué là-bas, même ça, côté nous. Ah bon? Ben, dans le sud, ça. Ah ouais. Mais tant pis, est-ce qu'il y a fait de nouveau? Ah, la fête un morceau, un dernier morceau actuellement, il s'appelle Il fait rien. Il fait rien? Ah, il fait rien, ouais. Mais que l'époque c'est fait rien, mais en tout cas il a soit un moment actuellement il fait rien. Mais là nana pour faire là, la canne pour couper tout. Ah, ben Gérard de temps en temps ça coupe colle aussi il paraît. ouais Gérard rangé hein. Ouais. Alice c'était un moon. Quand il arrive la case Beaumont et que me dit Beaumont, me parle Beaumont de Gérard rangé, dis-moi qui ça qui chante comme il mange son qui comme fait spoule là. Maman a toujours une affaire poutine. Ouais, mais pas méchant. Pas méchant. Et Gérard, lui, c'est du genre aller souvent dire ce que les autres n'ont pas envie de dire. Là. Ali, il dit. Oui. Lui est franc, lui. Dans son chanson. Dans son morceau, il dit. Il ressort ça. Ouais. La pointe filtre dans son morceau. Oui. Toutes les directs comme ça, lui. Hein. Et d'ailleurs, si nous écoutons Ali là tout de suite, là, on va voir que c'est quelqu'un qui. D'ailleurs, dans son morceau, il dit, hein, il racontait pas quelles histoires son morceau. Il faut écouter son morceau. Hein. Oui. Nous écoutons ça tout de suite alors. Écoute, Ali, envoyez. Ben, bon, alors, Gérard Rangé du groupe Racine des Îles. Enfin, nous dit du groupe Racine des Îles, mais c'est Gérard Rangé même. C'est, hein. lui tout. C'est lui le leader, ben. Et de toute façon, il est tout seul aussi pour l'instant, en tout cas. Hein. Et le morceau, il fait rien. Il fait rien. Nous va découvrir. Nous va découvrir ça alors tout de suite alors. Allez, il est parti alors. Allez. Moi, m'écris en forme, mon moment.
n'avez rien commun. Et si mon Dieu, comme mon cœur tu es saint, ça y fait rire sa maman. À moi m'y mettre tout dans la même mon bon Dieu. Parce que m'y connaît sans aucun doute. Allez même pour moi les points. Calix, nous arrivons à la fin de cette émission. Clip pousante. Comment on appelle ça? Clôture. Nous clôture, clip pousante. Conclusion, clôturée. Voilà, exactement. Et bon, alors clôturée. Vous voudrez clôture sur quelqu'un de Madagascar, quelqu'un que nous connaissons bien d'ailleurs, une artiste de Madagascar, hein, qui a fait à nous le plaisir de venir ici, de venir dans plusieurs émissions avant, de quelqu'un que nous connaissons bien de par aussi une personne ici à La Réunion aussi. Hein, oui. Qui c'est cette personne-là? Ben, je pense beaucoup à Nancy. Nancy, ouais. Nancy, puisque vous connaissez, ça va être un événement bientôt. Parce que Nancy, nous côtoyons Nancy. Et nous côtoyons la personne qui fréquente plus Nancy que tout le monde. Ouais. En fait, moi, j'ai écrit ce matin, le gars, il dit à moi, Calix, mon frère. Vous connaissez, m'a toujours dit, mais il y a grave à moi à 60 ans. Il y a grave lui. Il y a grave à 60 ans. Ouais. Et le 20 juillet, il a eu 60 ans cette année. Et donc, pour parler un petit peu de manifestation qui va venir bientôt, au mois de septembre. Et donc, nous, ce que nous voulons découvrir. Déjà, nous serons de la participation à cet événement et il ne fera pas tous les jours. En plus, une artiste qui chante, nous sommes à son mariage, nous va découvrir, il va chanter certainement ce jour-là. Et donc, Nancy, je crois qu'il y a un dernier clip là qui vient de sortir dernièrement. Et son premier clip qui a marqué un petit peu tous les esprits ici à La Réunion, il t'appelle Milanao. 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 Hein? Milanao. Bébé. Ouais. Milanao, mon chéri. Exactement. Mais, à l'époque, nous ne connaissons pas que ça le chéri. Ouais. Aujourd'hui, nous connaissons. Nous connaissons. Ben. Allez, bon, là, on écoute ça alors. Ah non, envoyez. Allez, nous partir là avec Nancy. Et puis son dernier clip, je ne connais pas trop le nom parce qu'il est un peu compliqué. Oui. Parce qu'en malgache, c'est très compliqué de dire. Et comme nous ne veut pas écorcher le titre de la chanson, ben nous laisse à autres écouter ce morceau. Écoute, là, tout de suite. Après, nous revient. Découvrir avec. Allez, bon, alors. Allez, à tout de suite. Alors. Kuranga m'a fait que tu t'arrêtes. Tiza katara fara tize njombe sangulu. Jevulangi nulu ano fama diche. Zati ala sacha ay kurani ntirako. Tira a ambara kwa no. Ala min fuderi no. Fazati ala no zane. Etiquette et ses conditions. Il a dit à tes solutions. Si il a que vol la main à fafon, non, mais t'es pour Joe Arena, mina. Difficile à battre, médicale ici. Favayan à ma hachina, toi et pandici. Visaran à ma toi et 0-0. C'est normal, il s'agit de mia la main, diable vite à talor. Bari bari que futiava quando o cara surapa vente.
vula ngulu petalwa tangu nyazu fasa chanmila ni akangatana sora chatulanye zinato anarianga akota manga changu tira a ambara kwando ala mifuzerino fazati ala nozane etiquette et sans condition ni adi ati solution si il like vola menga fafono mi tempo jo arena mina ni fichi le vati mi di calici sa se na umachi na tawe panjisi visa ranga na tawe zero zero se normalisa cha mi ala menja bevita talo ni adi ati solution si il like vola menga fafono mi tempo jo arena mina ni fichi le vati mi di kare si mi di kare avadina ma hachi na tawe pandisi visa ranga na tawe zero zero se normali sa cha mi ala menja brevita talo mole cha zavati kwe ni fichi le vati mi di kare Et ben voilà, Calix, nous finis là-dessus sur ce dernier morceau de Nancy là. Ouais. On passe un bon moment ensemble quand même. Hein. Passe un bon moment et puis Jean-Claude, moi je voulais attirer un petit peu ta attention. Ce que l'a fait Bassin Labo, ouais. Comme il dit Bassin Labo, après Labo. Mais ou peut-être, on est là tous les jours dans ce cadre-là, où il n'y aperçoit pas, mais les grandioses, les magnifiques, les magiques, les magiques, comme on dit, avec le cadre de la montagne d'hier, la mer elle est à 4 km, après tous les arbres qu'il y en a, cocotiers, longanis, les animaux, le potager de l'autre côté, potager endémique, hein, ici, hein. Nous arrivons à faire pousser pas mal de choses, nous arrivons même à pousser cresson là-bas sur la terre, hein. Mais, on l'a vu, hein. On l'a vu tout à l'heure. On a fait la cuisine tout à l'heure, Miko, un instant dans le jardin, on a tout sous la main. Ben voilà, voilà, voilà. Essayez de vivre en auto et en indépendance, c'est-à-dire pas besoin de rien. Peut-être un petit peu de l'huile, un petit peu de sel que nous apprenons ici. Comment on appelle ça, l'autonomie? En autonomie totale. Eh, demande pas toute l'autonomie, ce mot. Ok, alors, Calix. Allez, Jean-Claude. Nous nous retrouvons la prochaine fois, là. La prochaine. Les bons, ok. Nous étions dans une émission appelée Clip Pouzot. Nous la passons un super moment ensemble. Clip, hein. Et nous rencontrons d'autres Clip Pouzot, hein. Oui, bien sûr. Les bons, ok. Alors, et ben, nous souhaitons à toi une bonne journée, une bonne continuation, une bonne soirée sur Canal Austral, bien entendu. Et puis, nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Clip Pouzot. Et surtout, maman. Aïe, comme diraient quelques personnes chez nous là-bas, là, hein. Cligne pas les yeux parce que sinon, là, c'est plus autres qui regardent la télé, c'est Canal Austral qui regarde les autres. Allez, nous retrouvons la prochaine fois. Wait a minute.